1994, nos parents sont venus ici à Goma et puis nous sommes nés ici à Goma. Nous vivons une vie qui est tellement misère. Nous manquons quoi manger. Nous sommes plus sécurisés ici à Goma. Si on nous pouvait trouver même un autre moyen pour quitter ici, pour partir dans d'autres pays, ça pourrait être bien. Parce que la HC ne nous sert à rien pour les mois. Votre demande au gouvernement congolais. Je demande au gouvernement congolais de nous donner même des cartes. Parce que quand les cartes que la HC nous donne, ça ne nous sert à rien. Tu peux quitter à Goma pour partir te débrouiller à Bukavu. Mais tu ne peux pas passer dans le corps d'ici à Goma. Kisha, Patusi, dans les différents territoires du Nord qui vont inclure Walikale.
Et c'est grand, et c'est malheureusement, les 1 500 000, c'est seulement les 5 000 qui sont officiellement reconnus par le gouvernement congolais. Rappelons encore ceci, nous devons encore rappeler, comme le disait le président de la MDC, le Hasser, le mandat du Hasser, c'est seulement reconnaître. Ce n'est pas le Hasser qui fait une personne réfugiée. Et le Hasser, en principe, lui ne donne pas le statut. C'est le gouvernement congolais qui octroie les statuts en consultation avec le Hasser, s'il n'y a pas objection. Donc la question des réfugiés, c'est une responsabilité première du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui doit reconnaître ces réfugiés là-bas et puis envoyer ces rapports là-bas au Hasser. Et cette question résume seulement la question de la reconnaissance. Le Hasser n'a pas mandat de refuser le statut de réfugié à qui que ce soit. Ni le gouvernement n'a pas ce mandat, puisqu'on devient réfugié lorsqu'on décide de quitter son pays par une persécution. Alors, la grande partie des réfugiés qui sont ici, donc aussi le 1 500 que nous estimons, et que d'ailleurs nous sommes en train de dire au Hasser, nous sommes en train de dire au Hasser que le Hasser, pour être franc et honnête, pour être humanitaire, doit nécessairement rejeter ces statistiques de 5 000 qu'il continue à mentir. Et en tout cas, il faut que les Hasser cessent de nous mentir qu'il y a 5 000 réfugiés au Nord Kivu. Il faut que ce mensonge cesse. Alors, une grande partie, au moins 90-95% des réfugiés au Nord Kivu viennent du Rwanda. Le 5% autres, bon, le 4% viennent du Burundi. Et le 1% viennent de l'Ouganda et de la Somalie. Quelque chose comme ça. Voilà un peu l'état statistique de ces réfugiés. Leurs conditions de vie, comme nous l'avons déjà parlé, même ministre, c'est une condition de vie médiocre. Nous sommes en train d'ailleurs, je l'ai parlé dans mon introduction, vous allez trouver des réfugiés rwandais à Bujovu. Vous savez, je pense que tous connaissent Bujovu, seulement à quelques mètres de la frontière de leur pays. Le fait d'être à quelques mètres de la frontière de leur pays, c'est déjà un problème de la protection. Il est difficile de protéger quelqu'un au Bujovu alors qu'un militaire rwandais peut traverser, le prendre là-bas par force et l'amener au Rwanda à n'importe quel moment. Ça, c'est déjà un problème de la protection. Et ceci, c'est un problème lié au gouvernement congolais. Le gouvernement congolais va se réveiller et se dire non, nous devons maintenant commencer à suivre les dispositions nationales et internationales pour se rassurer que le gouvernement soit à une telle distance.